Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le vote par témoignage à l'ordre du jour de la plénière cet après-midi de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Cette question divise actuellement la classe politique nigérienne à moins d'une semaine du scrutin présidentiel et législatif. Le compte-rendu de cette cérémonie de Memouna Daouda. L'examen du vote par témoignage, c'est le seul point inscrit à l'ordre du jour de la plénière de ce 13 février de la Commission électorale nationale indépendante CENI. En effet, par lettre numéro 0016/PM-SGG du 2 février 2016, le Premier ministre, chef du gouvernement, a soumis à l'avis du Conseil d'État la question de savoir si le vote par témoignage est possible sur le fondement de l'esprit des lois et de la coutume en matière électorale au Niger. La CENI a mis également en place un comité chargé de réfléchir sur la question. Mesdames et Messieurs, au regard de l'avis émis par le Conseil d'État et des conclusions issues des travaux du comité, et tenant compte de l'importance de la question, le bureau de la CENI a jugé indispensable de la soumettre à l'examen de la plénière. La Commission électorale nationale indépendante, en tant que question constitutionnelle chargée de la bonne exécution des opérations électorales, de leur organisation matérielle, est également chargée de veiller au respect des lois et règlements en matière électorale et prendre toute initiative et ou disposition concourant au bon déroulement des opérations électorales. Une semaine seulement nous sépare de la date du scrutin. C'est pourquoi vous devez mettre l'intérêt national avant toute préoccupation personnelle ou partisane, afin que nous puissions examiner cette question en toute indépendance et prendre une décision à l'issue de la présente plénière. De cette plénière de la CENI sont attendues des conclusions qui permettront de trouver un consensus relativement à cette question de vote par témoignage qui divise la classe politique nigérienne. Jour J-7 pour la tenue de l'élection présidentielle, premier tour couplé aux législatives. Les différents candidats vendent leur programme aux électeurs. C'est le cas du candidat du PNDS, Tareya, et le président de la République, Issou Mamadou, était dans l'ADER où il a animé hier des meetings dans les départements, mais également à la commune rurale de Tamaské. Le compte-rendu avec nos envoyés spéciaux, Nafis Zakou et Halidou Brema. Le candidat du PNDS Tareya et de 43 autres partis alliés, Alhaji Issouf Mamadou, était ce 12 février aux côtés des populations des départements de Tamaské, Keta et Bouza dans le cadre de sa tournée pour la campagne électorale. Dans ces trois localités également, c'est un accueil chaleureux qui a été réservé au candidat Issoufou, une façon de le remercier pour les réalisations faites. De 1960 à 2011, soit 51 ans après les indépendances, Bouza n'a eu droit qu'à 10 établissements d'enseignement secondaire et 33 salles de classe pour toute cette période. Alors que de 2011 à 2016, Bouza se retrouve avec 34 établissements d'enseignement secondaire et 111 salles de classe en matériaux définitifs. Au niveau de l'enseignement primaire, nous avons enregistré là encore quelques 130 salles de classe. Pour son message adressé aux populations de Tamaské, Keta et Bouza, le candidat du PNDS a demandé à toutes les militantes et militants leur soutien pour un second mandat afin de concrétiser les projets en cours. Je crois hier en Samaï, Chikindambou. Dambou, Nyeyo Abayjemaï. Ama, Mukache et un Niger. Et je n'en ai pas de gouvernement Fata. Sumba Mahanya. Tachi Gaba. Dans sa mouan en dambou maï. Chakra bien ma souzoua. Et en l'air bas, on en dambou, zaje maï. Désolé.
Les populations de ces trois localités ont tous réaffirmé leur soutien au candidat du PND Stareya Issoufou Mamadou afin de faire un coup KO. Parmi les candidats à la course au fauteuil présidentiel figure le président du RSD Gaskia, qui est le candidat chef Mamadou suivant son portrait. Cheikh Amadou est né le 1er décembre 1942 à Cornaca, dans la région de Maradi. Il est marié et père de 6 enfants. Cheikh Amadou a fréquenté l'école primaire de Dakoro, le collège classique et moderne de Niamey, l'université de Dakar au Sénégal, puis l'université de Toulouse en France. Et enfin, l'école nationale de l'aviation civile de Paris, d'où il sort ingénieur diplômé de l'aviation civile. Entre 1970 et 1975, Cheikh Amadou a participé à la réorganisation des services de la SECNA et la création de la direction de l'aviation civile, ainsi qu'à la réhabilitation, à la rénovation et à l'extension des aéroports et aérodromes du Niger. Cheikh Amadou a notamment contribué à l'étude portant optimisation de la flotte d'Air Niger. Il a eu à représenter le Niger dans plusieurs réunions internationales. Cheikh Amadou a aussi servi à Douala et à Maroua au Cameroun, à Madagascar, au Sénégal et en France. Au plan régional, Cheikh Amadou a participé à la négociation de plusieurs financements auprès d'organismes extérieurs comme le FED, la Banque mondiale, l'OPEP, la BAD, pour la réalisation des projets aéronautiques. De juillet 1989 à 2005, il était le représentant régional de l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, à Dakar, avec rang de directeur du système des Nations Unies. Au plan politique, Cheikh Amadou a été élu le 26 octobre 1991 au poste du Premier ministre par les 1204 délégués de la Conférence nationale souveraine. Lorsque le 3 novembre 1991, Cheikh Amadou s'adressait à la nation, les Nigériens découvraient pour la première fois, dans leur grande majorité, l'homme qui allait conduire les destinées de leur pays durant la période de transition démocratique. Président du Conseil économique, social et culturel de 2006 à 2010, Cheikh Amadou a battu un travail titanesque portant sur une vingtaine de titres en 4 années seulement. Médiateur de la République de 2011 à 2015, Cheikh Amadou a été saisi d'au moins 363 réclamations dont les résultats sont consignés dans 3 rapports d'activité. Nombreux d'entre eux sont les réclamants qui ont pu retrouver du sourire grâce à sa médiation. Passionné du football et de la marche, Cheikh Amadou affectionne la lecture du Coran. Il pratique aussi l'élevage et le jardinage. Candidat du parti Rassemblement Social Démocrate RSD Gaskia aux élections présidentielles de 2004 et 2011, Cheikh Amadou se présente à nouveau en 2016 avec le ferme espoir que les électeurs ont maintenant mûri, qu'ils ont désormais compris l'importance du vote dans un contexte démocratique et qu'ils sauront en faire un bon usage, c'est-à-dire faire le bon choix, le choix de la raison, le choix du développement et du progrès. C'est la condition pour le Niger et son peuple d'avoir des dirigeants soucieux du développement, du progrès et du bien-être de nos laborieuses populations. De la vérité jaillit la lumière, celle qui illuminera le ciel du Niger sous la conduite du RSD Gaskia. Vous suivrez l'entretien de Cheikh Amadou en partie et magazine de cette édition d'information. La cérémonie, c'est pour présenter officiellement les 2 candidats qui compétissent au titre de la commune 1 pour les élections législatives, une initiative de la coordination MNSD Nassara Douyantela Nord-Ouest, composée de 8 comités de base à travers leurs militants. Le point avec Ousmane Sidibou. Véritable démonstration de force de la coordination MNSD Nassara Douyantela Nord-Ouest à travers cet imposant meeting. Le 21 février prochain, ils y attendent de pied ferme cette date, conscients tous des multiples enjeux qui lui sont liés. Le 21 février 2016, vous irez aux urnes pour les élections présidentielles et législatives. Je sais que chacun de vous est impatient de voter. Je sais que chacun de vous est décidé de faire de El Hadj Seydou Umarou le prochain président de la République, Inch'Allah. Je sais surtout que chacun de vous est déterminé à voter pour qu'au soir du 21 février, nos candidats El Hadj Adamou Salifou, Di Bablissé et Madame Diambala Maimouna Sako soient élus députés et avec eux, tous les autres candidats de la ville de Niamey. Amin Yarabi. C'est pour cela que je vous demande à chacun de tout faire pour récupérer sa carte d'électeur d'abord, puis de vous mobiliser tous le jour de vote
et enfin d'être très diligent pour que vos voix ne soient pas volées. Si vous faites cela et s'il plaît à Dieu, le dispensateur de toutes choses ici-bas, la victoire sera pour le MNSD Nassara, non pas en un coup KO, mais en un coup dehors. De cœur et d'esprit, ils disent l'être non seulement à leurs candidats aux élections présidentielles de 2016, mais aussi à ceux au titre de la commune 1 aux élections législatives, d'où ces cris de victoire en avance pour rassurer leurs futurs députés. Inch'Allah, le 21 février 2016, le MNSD Nassara gagnera. Et son excellence Elhaj Seydou Omarou sera le président de la République du Niger. Monsieur le candidat Elhaj Adam Salifou, la coordination Yantala Nord-Ouest est décidée de voter massivement pour votre élection et ses militantes et militants me chargent de vous le dire de vive voix. Aujourd'hui, il vous appelle affectueusement Bablissé. Avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, ils veulent demain vous appeler député Bablissé. Quant à vous, madame, les femmes m'ont demandé de vous dire que vous pouvez être assurée que le 21 février 2016, elles chanteront et danseront devant votre porte pour célébrer votre victoire. Pour la coordination MNSD Nassara de Yantala Nord-Ouest, à travers une telle manifestation, c'est un signal fort, comme pour dire que leur parti est bien implanté et que leur coordination reste et demeure un fief incontesté du parti MNSD Nassara. Préalablement après l'hymne du parti, l'animation musicale a battu son plein, avec plusieurs troupes et orchestres qui ont rivalisé de talent. Tout comme les candidats à l'élection présidentielle, les candidats aux législatives sont également sur le terrain à la conquête des électeurs. C'est le cas de Alhaj Souley Diofo, candidat à la députation au titre du PNDS Taraya dans la circonscription spéciale de Torodi. Souley Diofo a animé des meetings pendant lesquels il a présenté aux populations son programme intitulé Torodi Mazada. Le compte rendu avec notre envoyé spécial Nasser Antofo. Candidat aux élections législatives du 21 février prochain sous la bannière du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, Elhaj Souley Diofo est allé à la rencontre des militants et militantes du Parti Rosa de la circonscription de Torodi où il se présente comme candidat. La zone Sirba a constitué la première étape dans tous les villages visités par Souley Diofo et sa délégation. Les populations sont sorties massivement pour ovationner et pour écouter le message de Souley Diofo qui s'est engagé dans la politique pour contribuer au développement de leur localité. Nous avons trouvé des populations assez averties, assez disponibles, qui ont compris qu'effectivement, la politique, ce n'est plus de l'antagonisme, ce n'est plus du clivage. Il faut que les gens travaillent la main dans la main. Et cette leçon-là, je pense qu'ils l'ont tirée et c'est très certainement notre département connaîtra très bientôt des changements notables. Pour moi, le député, c'est la croix de transmission, c'est l'interface entre le pouvoir public et les populations. Je ne peux pas venir demander le suffrage des populations si je n'ai pas une alternative, si je n'ai pas une solution nouvelle à leur apporter. Et c'est dans ce sens-là que je me suis dit qu'il fallait que je vienne sur le terrain avec un programme, parce que c'est un terrain que je connais très bien, un terrain dans lequel j'ai eu à poser pas mal d'actes, et un terrain qui pour moi compte beaucoup plus que toute autre considération. Pour appuyer le programme de la Renaissance Acte 2, Souley Diofo a un programme pour sa circonscription de nommer Torodi Mazada. Mon programme que j'ai intitulé Torodi Mazada, en zéma, ça veut dire Torodi victorieux, n'est-ce pas? Et dans ce programme, donc, j'ai énuméré 10 axes. Ces 10 axes, je dirais, font partie intégrante du programme de la résistance. Mais il faudrait que, tout comme le président l'a proposé à la population nigérienne, il faudrait que les élus aussi apportent leur contribution, jouent leur partition. Parce qu'il n'y a pas que le président qui puisse prendre en charge
le développement de ce pays-là. Il faudrait qu'à la base, dans nos terroirs, il y ait des répondants, des gens qui regardent dans la même direction que le président Issoufou, des gens qui pensent que ce pays-là, on ne doit plus le laisser comme on l'a laissé depuis des décennies. À tous les meetings animés par Diofo et sa délégation, les consignes de vote ont été données. Voter Mahamoud Issoufou pour les présidentielles et Alhaji Soule Diofo pour les législatives au compte du PNDS Tareya. Le slogan Toroni Mazada du candidat à la députation Alhaji Soule Diofo du PNDS Tareya est déjà mis en œuvre. C'est dans ce cadre que la population de la Sirba a reçu une ambulance de Soule Diofo. Retrouvons Nasser Ntofo. Cette ambulance mise à la disposition de toute la zone Sirba est gracieusement offerte par Alhaji Soule Diofo, candidat aux élections législatives dans le compte du PNDS Tareya. Ce don viendra soulager la souffrance de la population de cette localité. Très unis, les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Aujourd'hui est un grand jour pour nous, parce que c'est depuis quand on rêvait d'avoir une ambulance pour notre zone. Vraiment, merci à Soule Diofo. On a tellement souffert au cours des évacuations ici dans cette zone. On a l'habitude de transporter des malades sur des vélos, sur des motos. Et on a perdu nos parents. Il n'y a pas là où on n'a pas déposé des rejets. Et voilà que Dieu nous amène à la jugeau. On remercie Soule qui nous a amené cette ambulance. Au nom de toute la zone de Sirba, on lui dit vraiment merci. Que Dieu l'aide dans ce projet. Pour Alhaji Diofo, ce geste n'est pas celui d'un politicien, mais aussi celui d'un fils du terroir qui milite pour l'épanouissement de sa zone. Le président de la République, le président Issoufou, qui, vous avez vu les efforts qu'il est en train de déployer tous les jours. Et c'est dans ce cadre donc que j'ai pensé à solutionner ce problème d'ambulance au niveau de du village de Bolsi. Bolsi, vous savez, c'est une zone où il y a plusieurs sites miniers. Donc c'est en quelque sorte un espace où il y a des personnes qui vivent au quotidien des souffrances énormes. Donc, qui sont au contact des maladies, qui sont en réalité des malades potentiels. Donc, à ces gens-là, il faut vraiment des mesures d'accompagnement. Il faut des infrastructures, il faut donc des moyens logistiques. Et pour moi, ce n'est qu'un début de solution. Les solutions viendraient certainement de l'État, parce que, comme je vous l'ai dit, le président Issoufou est très attentif à ce genre de questions. Et nous prenons l'espoir que très prochainement, l'État en personne apportera une aide substantielle pour cette zone. Pour rappel, Soule Diofo était commissaire de police avant de démissionner de son poste comme stratégique directeur de la surveillance du territoire pour se lancer dans la politique. Il est candidat aux élections législatives du 21 février pour soutenir le président Issoufou Mamadou et apporter sa contribution pour le bien-être des populations de Toroni. Et nous en venons à la partie magazine de ce journal qui est consacrée à l'entretien du candidat du RST Guesca pour l'élection présidentielle du 21 février prochain. Chefou Amadou a répondu sur des questions relatives à son programme de campagne. Mesdames, Messieurs, bonne réception et bon week-end. Bonsoir, vous êtes candidat à l'élection présidentielle à premier tour le 21 février 2016. Monsieur Issoufou Mamadou, sur quel programme entendez-vous convaincre les électeurs nigériens pour qu'ils vous accordent leur suffrage? Ah,
sur mon programme tardi, mon programme officiel que j'ai déjà annoncé lors du dernier congrès de mon parti et qui s'appelle Rassembler pour bâtir. C'est un programme intégrateur, un programme cohérent qui tient compte de toutes les préoccupations des Nigériens. Des Nigériens de la ville comme des Nigériens de la campagne. Ce programme est conçu pour englober 8 axes. 8 axes stratégiques avec un accent particulier sur la jeunesse, les femmes et le monde rural. Alors, il comporte également une soixantaine de pôles de changement majeurs. Ce que j'appelle pôles de changement majeurs, ce sont des axes plus précis de gouvernement et d'action concrète. Exemple, dans le premier axe que j'appelle démocratie, sécurité et bonne gouvernance, il y a une question qui me semble majeure, c'est la séparation des pouvoirs, c'est fondamental. Par exemple, dans notre pays, la justice qui doit être indépendante et séparée des autres institutions ne l'est pas encore totalement. À titre d'exemple, c'est encore le président de la République qui est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors à ce niveau-là, il y a une action majeure, une orientation majeure qui doit être prise et sur laquelle je compte travailler. Autre exemple, dans le domaine de la santé. La santé est un des axes de mon programme que je considère comme un droit fondamental. Et là, je vais, Inch'Allah, créer de façon originale au Niger la couverture médicale universelle. C'est-à-dire que tous les Nigériens, toutes les Nigériens seront soignés gratuitement. Qu'ils soient au Niger, citoyens ou non citoyens, l'essentiel c'est qu'ils soient au Niger, à l'aide d'un système d'assurance, de cotisation. Cela se pratique déjà dans beaucoup de pays, y compris les pays les plus pauvres. Une des références à laquelle on se rapporte, c'est Cuba, qui est l'un des pays les plus pauvres, mais qui se distingue sur le plan mondial par cela. Et la caractéristique aujourd'hui de notre système sanitaire, tout le monde le sait, c'est vraiment la médiocrité, pour ne pas dire l'absence même totale de soins. Tout le monde sait que dans nos centres de soins médicaux au Niger, vous, quand vous arrivez, on vous donne des ordonnances. Tout le monde sait que les services d'urgence existent et travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Tout le monde sait que même les conditions de soins de la femme et des enfants qui doivent être gratuites ne le sont pas effectivement. Alors, moi je vais proposer au pays un système de couverture médicale universelle où vraiment, en ville comme en campagne, tout le monde sera soigné gratuitement dans les dispensaires et les hôpitaux. C'est tout à fait possible. Exemple, également, comme pôle d'action majeure, je m'appuierai sur la question de l'impunité. Impunité zéro. En quelque sorte, j'ai la prétention et l'ambition de supprimer au Niger l'esprit de corruption. Cet esprit où tout est argent, tout réflexe, dans l'administration, dans le public, dans le privé, tout est devenu argent. Un pays qui a atteint ce seuil, atteint un seuil bizarrement dangereux. Parce qu'en ce moment, progressivement, il n'y a aucune valeur qui tienne.
il n'y aura que la valeur de l'argent. Il n'y aura même plus de valeur pour créer l'argent. Par conséquent, je voudrais que c'est une référence dans ce domaine, de manière à ce qu'on dise que voilà, c'est au temps du président Chirou qu'on a commencé à supprimer l'esprit de la corruption au Niger. En matière de jeunesse, vous savez, la jeunesse, c'est quelque chose de très important dans un pays. Si on arrive à bien traiter la jeunesse, eh bien, on aura un atout majeur pour le développement. Par contre, si la jeunesse n'est pas bien considérée, on risque évidemment d'obtenir un effet contraire et même d'aboutir à des crises. C'est ce que nous constatons actuellement. La jeunesse désœuvrée, la jeunesse dans un système éducatif inadapté, eh bien, nous conduit dans la situation que tout le monde connaît. Alors, dans ce domaine, qui est un domaine, je l'avoue, difficile, j'ai beaucoup réfléchi dans mon programme, je propose un système d'occupation valorisante des jeunes. C'est-à-dire que on ne laisse tomber personne. Il ne s'agit pas de dire je vais créer tant de nombre d'emplois, autant de nombre d'emplois et abandonner l'autre. Il faut s'occuper de tous les jeunes, d'une manière ou d'une autre. Il y a ceux qui auront des emplois. Il y aura qui seront aidés pour être des entrepreneurs. Il y aura qui seront en formation et stage, etc., etc. Il y aura qui seront orientés vers le monde rural, vers l'agriculture, vers l'élevage. Il faut diversifier et valoriser. C'est ainsi que nous pourrons véritablement réserver un avenir décent. Nous avons également prévu des initiatives de développement accéléré en faveur des jeunes et des femmes. Les initiatives, c'est quoi? Bien sûr, ce n'est pas nouveau. Il y a déjà plusieurs sortes d'initiatives qui ont été initiées par les gouvernements précédents. La distribution des animaux, la distribution des chèvres, des vaches, etc. sont des initiatives nouvelles. À cela, je voudrais créer un fonds spécial qui va assurer des bonus dans les banques pour des projets des femmes et des projets des jeunes. Et d'autres initiatives sur lesquelles nous allons évidemment réfléchir davantage. Nous allons également, surtout en ce qui concerne le monde rural, qu'il ne faut pas oublier, qui constitue l'essentiel de notre pays, faire une réflexion intégrée, mettre en place une nouvelle stratégie intégrée de développement rural, qui intègre l'agriculture, qui intègre l'élevage, qui intègre l'eau et qui intègre la formation dans ce domaine. Aujourd'hui, malheureusement, ce secteur est éclaté. Vous avez des ministères de la culture à part, de l'ministère de l'élevage à part, de l'hydraulique à part. Alors, résultat, lorsque l'un des secteurs est convenablement réglé, tel que par exemple l'alimentation, et bien de l'autre côté, il y a le bétail. Il y a l'alimentation du bétail, il y a la sécheresse, il y a l'eau qui manque. Or, le monde rural doit être considéré comme un tout. Nous allons, dans ce domaine-là, faire une véritable révolution pour avoir vraiment une seule approche, une seule optique qui concerne le monde rural dans son ensemble. Voilà, en ce qui concerne. C'est un autre point, ce serait trop long de vous donner, n'est-ce pas, tous les actes, mais voilà les questions importantes, tout est important comme vous le savez, mais ce que je considère comme étant des innovations, ce que je considère comme étant fédérateur, ce que je considère comme étant des leviers essentiels pour faire face aux défis qui actuellement concernent notre pays. Nous sommes pour la mise en œuvre de ce programme. Cela suppose disposer des ressources financières suffisantes. Alors, comment comptez-vous mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce programme? Très bien, bien sûr. Ce n'est pas tout que d'avoir un programme. Il faut également prévoir les financements, les moyens de financement de ce programme
Et ça, c'est en bonne place dans mon programme qui s'appelle l'Assemblée pour bâtir le Niger. Parmi les ressources auxquelles nous faisons appel, nous ferons appel, il y a d'abord les ressources classiques. Et dans ce domaine-là, nous allons commencer par faire une meilleure gestion de notre budget, faire une réallocation de ressources. Aujourd'hui, nous considérons, nous pensons qu'il n'y a pas un équilibre en ce qui concerne l'affectation des ressources internes et même externes reçues dans notre pays. Je donne comme exemple la quantité des crédits alloués aux activités politiques, les fonds politiques, les chargés de mission politique, les conseillers techniques politiques, etc. Et d'autres dépenses. Donc, je considère que nous allons là fixer un taux maximal pour ces choix de dépenses par rapport aux recettes réelles de notre budget. Donc, première mesure, en ce qui concerne les ressources internes, une meilleure qualification, un meilleur assainissement des ressources internes existantes. Deuxième catégorie de ressources, des ressources innovantes que nous avons prévues dans notre programme. Ce que j'appelle ressources innovantes. Alors, c'est d'abord les partenariats, les ressources provenant des différents partenaires. Vous savez, le Niger a un taux démographique très très élevé. Le taux démographique est tel que la croissance ne suit pas ce taux démographique. Nos recettes budgétaires et notre budget se trouvent donc en deçà de nos besoins. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour combler ce gap? Pour combler ce gap, il faut faire appel à des investissements privés. Et ces investissements privés-là, qui rentrent dans le cadre de partenariats publics-privés, peuvent servir au Niger à rattraper le gap. Ceci d'autant plus que nous avons des voisins, des proches voisins, tels que les Nigériens, qui ont la capacité de nous apporter l'aide dans ce domaine. Et je le dis en connaissance de cause, car rempli des initiatives personnelles, et j'ai pris des contacts avec des privés du Nigeria. Et avec ce privé, j'ai pu mobiliser pour le Niger des actions d'intervention de plus de 1 milliard de dollars. C'est simplement un exemple. Donc, c'est ce genre de ressources innovantes auxquelles il faut faire appel. Et puis, il y a d'autres instruments qui sont plus techniques, ce serait un peu long de les exposer ici. Il y a d'autres instruments, tels que le rachat de dettes, tels que le recours à des dettes moins lourdes, moins chères, etc., etc. Donc, il y a des ressources innovantes. Alors, troisième volet, c'est la valorisation de nos ressources déjà existantes. De nos ressources minières en particulier, l'uranium, le pétrole, l'or, etc. Alors, cette revalorisation passe par une diversification des partenaires. En faisant diversifier les partenaires, eh bien, nous serons en ce moment en mesure d'obtenir plus avec nos ressources actuelles. Enfin, quatrième possibilité, et ce n'est pas seulement la fin, mais ce que j'ai en tête et qui est dans mon programme, c'est l'exploitation de nos gisements dormants. Nous en avons. J'ai même entendu dire que le Niger est un accident géologique. Nous avons de l'or. On le sait, dans le nord, aujourd'hui, il y a une ruée vers l'or. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour exploiter, pour nos ressources, pour notre budget, cet or dont on parle, en quantité massive, à fleur de sol, etc., etc. Qu'est-ce que nous attendons? Exemple, on parle du marbre. Nous disposons, semble-t-il, des véritables montagnes de marbre dans notre pays, y compris du marbre cher, etc. Nous disposons d'autres minéraux qui sont dormants et dont l'exploitation aujourd'hui
compte tenu des besoins du marché mondial et international, qui nécessite, n'est-ce pas, qu'on s'y pense très rapidement, et nous allons le faire vraiment très rapidement. Voilà un peu la catégorie de ressources auxquelles nous allons faire appel pour financer notre programme. Monsieur Chifonodou, si vous êtes le président de la République, quelle serait la priorité de vos priorités parmi tous, toutes les priorités que vous avez évoquées tantôt? Bon, vous savez bien, dans notre pays, tout est prioritaire. Et dans un pays, tout est prioritaire. Et en réalité, on va s'atteler à la priorité qu'on trouve. Toutefois, aujourd'hui au Niger, nous avons une grande priorité. C'est cette épine que nous avons dans le pied qui concerne l'insécurité. C'est d'abord ça qu'il faut régler. Et je m'attacherai avec la dernière énergie à régler le problème et à rendre le Niger sûr, encore plus sûr. Ceci dit, après ça, ma priorité, c'est vraiment la jeunesse, comme je le disais tantôt. Et avec la jeunesse, le monde rural. Bref, nous sommes dans un pays où tout est prioritaire. En tout cas, personne ne sera laissé sur le bord du territoire. La priorité, en réalité, c'est l'action dans le territoire. La priorité aussi concerne la remise au travail de l'administration. Car, quelles que soient les ressources que nous avons, si il n'y a pas une administration efficace, une administration qui travaille, eh bien, nous ne pourrons même pas utiliser les ressources qui seront mises à notre disposition. Et je crois que c'est le cas actuellement. Très peu de ressources ont été décaissées parce que, tout simplement, nous avons une administration qui n'est pas suffisamment performante. Donc, dans les priorités, il y a la remise au travail de l'administration de manière à ce que nous puissions consommer avec la vitesse voulue. Car au Niger, les besoins sont tels qu'il faudrait vraiment faire plus et mieux que par le passé. Les besoins sont tels qu'il faudra travailler pour rattraper le retard. Nous sommes le dernier pays au monde, tout le monde le sait, et nous le sommes depuis très longtemps. Ce n'est pas la faute de X ou de Y, hein, mais c'est un problème conjoncturel qui est là. Il est posé, personne ne s'arrête, mais nous aussi, nous non seulement nous ne devons pas nous arrêter, mais nous devons faire plus. Il faut absolument des bons forts, il faut absolument des investissements lourds, massifs. Il faut travailler vite et fort, remettre les gens au travail, mais surtout supprimer définitivement cet esprit de corruption qui abaisse tous les jours vers le bas. Et Inch'Allah, je pense que avec l'aide et la compréhension de nos concitoyens, on arrivera à bout. Merci.